prochain. Non mais physiquement, esthétiquement, tu la trouves belle vraiment? Non, tu la trouves. Alors qu'elle est en. Il y a des pas plus. C'est juste le buzz des US et tout ça qui fait que. Bonjour. Hey, tonton Joe. Bonjour. 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 Elle a joué un film d'agression. Traumatisé, ce film. Ah, Monica Bellucci, ce film, il est grave. Mais sauf que lui, par exemple, il a joué en France et aux États-Unis. Et en fait, c'est quoi le. La différence, enfin, C'est pas la nationalité du film qui fait la différence. Ouais. C'est la personne, tu vois, c'est les gens. Ouais. C'est pas ouais, tous les Américains sont pareils. C'est comme, tu vas dire, je crois, Claude Lelouch, c'est la même chose que Gaspard Noé. Ouais. Non, parce bah qu'ils sont français. Non, c'est. Non, mais je veux dire, mais de l'industrie, le truc de pro, tu vois. C'est plus gros, il y a plus de thunes, c'est plus hiérarchisé, tu vois. Là-bas, les gens, par exemple, les techniciens, ils parlent pas aux acteurs. Ah ouais? Zarbi, non. Ah tu dis bonjour, personne te répond. Ah ouais? Tu vois, parce qu'ils ont pas le droit, vraiment, tu vois, ils c'est un truc. Ils ont pas le temps. T'as des consignes, on leur donne des consignes. Ouais, ça se fait pas. Ah ouais? Parce que les acteurs, ils doivent se concentrer, genre. Et en France, on se fait la bise, c'est ça? Non, mais tu peux dire bonjour, tu vois, t'arrives, c'est une équipe qui passe 2, 3, 4 mois avec les gens, quand même. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Tout le monde. France, c'est un pays du bonjour. Une personne, tu vois. France, c'est un pays du bonjour. Ouais! La France, c'est un pays du bonjour. Même quand tu dors, les gens ils vont te lever pour te lever bonjour. Il dit, laisse le gars dormir. Un Américain peut venir. S'il connaît que lui, il dit bonjour à lui. Il dit bonjour à personne. C'est normal. Les Américains, ils sont beaucoup plus high, même s'ils ne te connaissent pas. Hein. Most wanted. Boom. You on my hit list. Putting in work on your fitness. I'm fucking with you. Bad bitch alert. Bad bitch alert. Bad bitch alert. Bad bitch alert. Oh yeah. J'ai revu Manimal il y a pas longtemps. C'est là. Pété, hein? Eh, j'ai revu le générique là. C'est tu vois, voilà, c'est ça. Avec la main là. Et tu vois quand tu mets la main. Eh, c'est trop mal fait. Avec le truc, les moustaches, les moustaches qui poussent là, quand ils se transforment en panthère. Tu regardes Columbo, Kojak aujourd'hui, c'est toujours cool. Hein. Non, mais ça c'est frais, ouais, mais parce qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux. Ouais, ouais. C'est plus sur l'intrigue. Que des trucs carrés encore. Ouais, que des trucs carrés, c'est ça. Bah non, Thierry Lafronde. Et moi je lisais que les bouquins. Oh là là. Mais quel bouquin dit? Quel bouquin t'as lu? Black. Quel bouquin? Je ne lisais que Black. Black. Et c'est quoi Black? Mais Black, c'est des petits dessins animés. Des animé, les petits trucs de poche. Black et Tintin. C'est Black et Mortimer déjà. C'est ouais, pas Black. Ouais, c'est déjà. Ce que je lisais. L'inscription, c'est pas dans les bouquins. C'est une bande dessinée, c'est pas un livre. Mais il y a les enfants qui lisent des bouquins qui sont pas sur Internet. Mais heureusement qu'ils lisent des bouquins. En 2016. Mais ça existe, garçon. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont que 2 heures d'Internet chez eux. Parce que les parents, ils ont dit ça se passe comme ça. Bon, gars. Attends. Tu as regardé. Une série ou tu n'as pas regardé une série? J'ai pas regardé. Pourquoi tu parles là? J'ai pas regardé. Ok. Beggars can't be choosers, bitch, this ain't Chipotle. Nigga with an attitude, I feel like O'Shea. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. La façon dont toi t'es rentré dans le cinéma, c'est avec la haine, je suppose. Ouais. À l'époque, vous pouviez que faire un film de racaille parce que vous étiez jeune et que à l'époque, ouais, un film de banlieue. Parce qu'à l'époque, les gens n'acceptaient pas forcément ce genre de film. Et du coup, au final, vu le succès du film, vu la qualité que ce soit du réalisateur ou des acteurs, eh ben, y a des mecs qui finissent par percer. Alors que moi, j'ai l'impression, franchement, quand je regarde le cinéma français, comme tu disais, les mecs qui font 30 films dans l'année, eh ben, c'est un cercle fermé. Non, et puis, il y a aussi les fils d'eux dans le cinéma aussi. Trois mecs qui ont cartonné dans ce film. Il y a le rebeu là qui est aux États-Unis qui cartonne. Saïd Tagmaoui. Comment il s'appelle le black là? Hubert Koundé. Et il n'y a que lui qui l'a pas cartonné. Que tu sois genre fils d'eux, que tu sois noir, que tu sois arabe, les trois, on était totalement différents. Saïd, c'était genre un. Tu vois, il était déjà. On l'appelait R comme relou, tu vois, déjà. C'était son tag. Et le mec, il était là parce qu'il voulait vraiment y arriver. Il avait les crocs. Hubert, il était là, il avait été pris parce que son frère s'était retrouvé dans le casting de Métis, genre. Et lui, il l'avait accompagné, donc il s'est retrouvé à faire Métis, et puis il a kiffé avec Mathieu. Donc il s'est retrouvé sur la ligne. Mais est-ce que c'était aussi clair que ça qu'il voulait être acteur? Je sais pas. Tu vois. Moi, je voulais faire ça depuis déjà. Tu vois. Donc après, chacun a saisi les opportunités qui étaient liées avec son envie, et après, mais c'est sûr que la haine, c'était un bon lancement, quoi. Tu sais, il faut savoir changer de style, parce que justement, quand t'es dans la haine... Si tu fais la carrière toute ta vie... Et c'est ce qui se passe après, quand tu parles de cinéma français coloré, le mec a fait le Prophète, qui est un film de ouf, c'est un film français, c'est un film de ouf. Il fait un carton, le mec il joue bien, il était dans un bête de film. Tarahim, il arrive, il connaît son texte, il est à l'heure, il fait chez personne, il fait le boulot, il va faire la promo, tu vois ce que je veux dire? Le mec il a les pieds dedans, il est sérieux, tu vois ce que je veux dire? Ça reste. Parce qu'il y a aussi ça. Go fuck yourself.
sleep to a decent amount and hope that don't sink you yourself. La télévision en Afrique, ça date pas depuis de 25 ans. Mais non, mais attends. Depuis de 30 ans. Oh. Gars, j'ai 40 ans. Il y avait la télé avant moi. Quand même, il y a 10 ans, en Afrique, il y avait la télé. Écoute, il y a... Non. Même s'il y avait une télé dans le village, moi, comme aux Antilles, t'avais les gens qui avaient une télé, ben les gens, ils allaient regarder chez nous. Moi, j'ai 48 ans. Ouais. Depuis tout petit, on a la télé chez nous. En 85, tu regardais la télé, toi? Le petit villageois? Est-ce que tu regardais? 85. Parce qu'en 85, t'étais pas en France. Non, si, je te dis. T'étais où? Je te dis en France. Mais t'as dit que t'as 40 ans, t'es arrivé à 10 ans en France. Mais je suis arrivé à 9 ans. Oh, elle a diminué à 9 ans. Et donc il enlève. Hey, calcul! Il y a du sang. Ali, c'est le premier black américain. Et black tout court, je dirais. Qui a su enlever ses menottes psychologiques. Ah, c'est ça qui faisait peur. Moi, c'est un de mes héros, Ali, quoi. C'est ce que ça représente, l'ouverture d'esprit, le courage. C'est peut-être le plus grand boxeur. Pour certains, je n'y connais peut-être pas assez le grand boxe, mais c'est surtout qu'il a un charisme de fou. Le mec, t'es avec lui. Vous avez vu le film, bien sûr, Ali. Il est vachement bien. Will Smith, il est super, il bouge super bien, il s'est fait la tête, etc. Le problème, c'est que Ali, à l'époque, il faisait flipper l'Amérique blanche. Quand il faisait « shook up the world » comme ça, t'avais des mecs qui flippaient leur race. Will Smith, il voulait pas faire flipper la race de personne. Surtout pas de l'Amérique blanche. Ouais, tu vois, et du coup, on le perçoit différemment, mais à l'époque, c'était un mec qui était dangereux. Tu vois, Ali, il passe à l'islam, il commence à mal parler aux gens et tout, il faisait flipper les gens, quoi. C'était un vrai agitateur, quoi. Ali, c'est le premier qui a utilisé ce truc de média. Hein, dans l'histoire du sport. C'est vrai. Aujourd'hui, les joueurs sont la preuve. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. C'est, on appelle ça le buzz. Même Reda, elle a boxé avec Inga. À la fin, elle a dit, t'inquiète pas, quand je vais te gagner, tu vas être mon jardinier. I'm on a new level. 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 Brought me a new shovel. I'm on a new level. I'm on a new level. Trump, il n'a jamais été question qu'il passe. Il est là. C'est assez cynique, hein, ce que je voulais dire, mais on a eu un noir, c'était magnifique, t'imagines, tout d'un coup, putain, sans déconner, l'Amérique, on veut redevenir américain, bon, enfin, putain, quoi de mieux qu'une femme juste après? Franchement, ouais. Ok, sauf que elle, c'est pas une femme. Ouais, bah oui. Elle a des couilles plus grosses que tout le monde réuni ici. Elle est terrible. Et en face, il y a Sanders. Elle, c'est de l'armement, c'est la guerre, c'est tout, ça continue exactement comme ça l'était l'Amérique. Mais là, Sanders, ça peut changer, mais il passera pas, c'est pas possible. Sinon, ce mec, il se fait shooter. Vraiment, ouais, je crois. Ah bah oui. Mais lui, c'est vraiment un mec qui peut faire la différence. Hein. Ouais. Tu penses? Ah ouais, moi, je pense vraiment. Hein. Je pense que ça pourrait changer carrément le monde. C'est impossible, Trump. Il peut pas être aussi... facho, con que ça, c'est impossible. Si. Non, t'as pas vu le gars qui travaillait dans ces casinos, qui jour au lendemain il s'est retrouvé sans rien du tout? C'est un arnaqueur, etc. En fait, les gens ne voient pas forcément la part sombre. Ils montrent ce que les Américains ils ont envie de voir, ouais. Mais au final ils voient pas l'envers de la médaille. Tu sais bien que les Américains qui mettent Obama, qui mettent Hillary, l'Amérique va toujours rester l'Amérique. Obama, c'était l'année où il y a eu plus de meurtres blacks aux États-Unis que jamais. Alors que c'est un président noir. Mais c'est là où les noirs ont été beaucoup tués par la police. C'est ouf, c'est vrai. Donc ça veut dire que Obama, c'est une marionnette. Obama, c'est un pion. Obama, c'est pas lui qui décide. Si les mecs sont pas d'accord avec toi, tu ne passes pas. Même tu prends même un acteur de cinéma, tu le mets à la présidence aux États-Unis, c'est pas lui qui gère. C'est les Américains. Alors, dans ce cas, il n'y a pas d'Obama. Mais Obama ne peut rien faire. À un moment donné, quand tu deviens président des États-Unis, tu es là pour gérer les intérêts d'un pays, d'un certain nombre d'habitants. Les États-Unis, quelle que soit la personne qui va diriger ce bled, ça sera toujours la même chose. L'objectif est de rester numéro 1. You know I'm coming straight out the block. You know I'm coming straight out the top. Shorty said she want 5 million. Cause I told her to leave and call her a thot. Shit, you can like it or not. Damn. I'm coming straight out the pot. Damn. Still got some egg in my stock. La France, si demain elle sort de l'Europe, elle est autosuffisante. Maintenant, pour faire du business, t'es obligé d'avoir tout le monde. La France, c'est pas un pays d'exportation. La France n'exporte pas. Ouais, tu dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y. Tous les services du monde entier que la France exporte. Qui envoie qui construit tous les TGV dans le monde entier là? C'est pas la France. C'est pas un pays d'exportation. C'est un pays de consultants, d'experts. C'est pas un pays d'exportation. C'est d'exporter des manufactures comme l'Angleterre. Tout l'agriculteur français. Ils exportent des voitures. Ils exportent. Mais la France peut sortir de l'Europe. On est diabolisé en disant que oui, si on sort, ça va être ceci, ça va être cela, ça va juste être comme avant, quand avec 50 balles, je pouvais faire tout un tas de choses. Non. Voilà, c'est tout. Moi, je le dis, voilà. C'est mort, c'est impossible ça. Et dès que ça monte, ça redescend plus, hein, c'est terminé. Moi, je vais au cinéma à l'époque parce que j'ai un go.
Ils sont dit il y a un film de Michael Jackson qui sort. Qui est-ce qui va jouer? Mais c'est une blonde. Moi, je ne suis pas d'accord. Après, on m'a dit, moi, il y a quelqu'un qui a fait un débat avec moi. Il m'a dit, oui, de toute façon, Michael Jackson, il est venu blond après. J'ai dit, d'accord, dans ce cas-là, c'est noir qui doit commencer. Ouais. Mais ça aurait peut-être fait, ça aurait fait plaisir à Michael Jackson que, qu'il soit joué par un blanc dans un film. Mais je crois pas. Oui, c'est possible. Là, c'est possible. C'est ça qui est chelou, tu vois. Ça, je suis d'accord. Mais sauf que nous, nous, on n'est pas dans la tête de Michael Jackson. Pour nous, on sait que Michael Jackson. Et ça, c'est le titre du film, dans la tête de Michael Jackson. Voilà, toi, je suis même pas moi, s'il y a un film de Michael Jackson qui sort, si c'est une blonde qui joue. Je vais pas. C'est pas parce que je suis raciste, je suis pas raciste. Non, mais ça serait un peu relou, je suis d'accord avec toi, quand même. Moi, je vais pas, c'est sûr. C'est comme si on me dit, il y a un film de Platini, ouais. Et c'est Noir qui joue. C'est ridicule. Oui, c'est pas logique. Je suis désolé. Un Black ne va pas jouer le rôle de François Hollande. On est bien d'accord. Ouais, mais regarde, moi, je me fais des tresses parce que je vais jouer le rôle d'un Renoir, quand même. Ouais. Si c'est dans les deux sens, c'est cool. Ouais. Non, mais oui, tu vois, on laisse tout tomber. Tiens, d'ailleurs, moi, on m'a proposé un truc sur quoi? Sur la Révolution française, là, qui va se tourner peut-être. Et c'est la Révolution française, sauf que le casting, il mélange tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des chinois, machin, etc. Et alors ils vont jouer Robespierre, j'en sais rien, peut-être c'est un africain, j'en sais rien. Tu vois? Est-ce que c'est bon ça, dans ce sens-là, tu crois? C'est pas très historique. Moi je trouve ça assez cool. De toute façon, l'acteur, il peut même jouer une femme. Ouais. Parce que lui, c'est son boulot. Comme il peut jouer riche, comme il peut jouer pauvre, comme il peut jouer beau. Moi, si je vais regarder le film de Zidane, exemple. Moi, franchement. On amène un gars, un camé noir, qui joue Zidane, je suis d'accord. Ouais. Non, mais tu dis ça, mais regarde. Je vais dire, si systématiquement, tu vois, dans le rôle de Alice au Pays des Merveilles, ouais. On mettait pas forcément une blonde, mais genre une chinoise, ouais. Une renoise. Au fur et à mesure, tu vois, dans une génération, c'est normal que Alice au Pays des Merveilles soit pas blonde. Ouais, c'est bah oui. Depuis quand James Bond, il est blond? Il a jamais été blond. Mais on s'en fout. Oui, je sais, non, mais je veux dire, donc, ça, donc pourquoi, s'il est blond, devient blond, pourquoi il veut. S'il est blond, il peut être chinois. Bah oui, il peut être. Il peut être James Bond. Ah, mais même James Bond. Ah oui, il pensait à Idriss Elba. Ouais. Vas-y, ça serait super culotté, tu vois. Franchement, j'aimerais bien que James Bond. Il n'y a pas de problème. Okay.